Dernier jour de vacances. On est descendu utiliser nos cartes de luge d'été à la Clusaz. Et on est rentré, on en a bien profité et on avait 8 tickets en tout. On a commencé par faire une descente, Élise, Martin et moi. Martin et moi sur la même luge. On a refait un tour, chacun est descendu individuellement. Et donc forcément il restait 2 tickets. J'ai demandé au monsieur s'il était possible que les enfants montent tout seuls et ils m'ont dit oui. Donc je ne suis pas allée me reprendre un ticket. En même temps c'est bien encadré, il y a quelqu'un à la dépose des télécabines et puis en haut. Donc ça s'est bien passé, ils sont descendus tout seuls, ils n'ont pas eu peur. Voilà, donc ils grandissent et ça c'est cool, ils deviennent un peu plus indépendants. On a quitté la Clusaz avec un peu de tristesse. Je suis allée faire un dernier magasin pour ramener des gâteaux au travail pour Johan. Là, on profite encore du bruit des vaches. Le séjour a commencé par un repas chez Top Marmotte. Il se termine par un repas chez Top Marmotte. On a réservé pour 19h. Donc on va partir là d'ici 5 minutes. Et puis sinon, la voiture est chargée, on a fait les valises, on a déjà mis tout ce qui était sale, tout ce qui était neuf, on a tout bien rangé. On a nettoyé tous les tâches de la maison, il reste plus grand chose à faire pour demain matin, la salle de bain, les WC et le sol du bas parce qu'on va encore marcher. Donc voilà, à table. Samedi 24 août, on a fini tout le ménage. J'attends le monsieur pour l'état des lieux et là, les garçons et Élise sont allés chercher du pain et jeter les poubelles. Dernier bruit de vache, une voiture aussi, pas de chance. Faire la pause repas, ça fait juste 50 minutes qu'on roule, hein? Non, plus que ça. Plus que ça? Une heure et quart, bon, voilà. Il y a une voiture qui a pris feu dans le tunnel que nous allons emprunter, du coup, c'est complètement bouché. On va essayer de repartir quand même, mais au moins le repas est pris, et puis on va s'armer de patience. On est mardi 27 août. Je vous reprends là pour terminer cette vidéo. Donc samedi, on est arrivé à la maison à 20h. On est parti à 10h. Donc on a mis 10h pour faire le trajet contre 6h30 à l'aller.
C'était long. Heureusement, Loulou était de super bonne humeur. En fait, lui, rouler sur l'autoroute pendant une éternité, même s'il y a des bouchons, ça ne l'embête pas. Lui, ce qui le stresse, c'est la circulation en ville et trouver une place de parking. Là, on l'entend râler. Mais c'est vrai qu'il a fait tout le trajet. Il n'a pas voulu me passer le volant. Me demande pourquoi. mais voilà. Donc, on est bien arrivé à 8h. Les enfants et lui ont déchargé la voiture. Moi, je réceptionnais tout dans la maison. J'ai vidé les trois quarts des choses tout de suite. En même temps, ça allait vite, la moitié du coffre à la machine à laver. Et puis, on a juste gardé les deux valises qui étaient fermées, qu'on a rangées avec les enfants. Ça contenait le propre lundi. Et puis sinon, oui, au moins les affaires de toilette, tout ça, tout était rangé. Et ça nous évitait le lendemain de courir après les affaires. Puis c'est assez démoralisant de se lever et puis de voir qu'il y en avait partout. Parce qu'autant c'est bien compacté dans le coffre, le sous-coffre, au pied des enfants, enfin à mes pieds, enfin voilà. Autant une fois qu'on ressort ça, ça fait un volume terrible. Donc... voilà, on s'est allégé le réveil du lendemain matin. Et puis ensuite, bien, nous avons pris l'apéro sur la terrasse. Il faisait encore bon. Et le lendemain, c'était mon anniversaire. Avant de partir, j'avais réservé un poulet rôti au petit magasin de chez nous. Là. Et puis, il a pris des frites au four. Et puis, j'avais réservé du pain aussi. Donc, j'ai pas fait à manger. Tout était prêt. Et il n'y avait plus grand-chose dans nos placards. Donc, on avait bien anticipé le truc. Et on a passé une journée assez sympa. Comme d'habitude, on est juste allé au parc avec les enfants, histoire qu'ils se dégourdissent les pattes. Et donc voilà, on était un petit peu triste de rentrer. Johan est toujours très enjoué tous les matins quand on va au travail. Il me fait « T'as vu comme c'est beau la Loire ?» Et là il me dit « C'est fade à côté des montagnes. » Ouais, j'ai dit « Allez viens, on déménage. » Et... ouais, bah non. donc voilà, fin de nos vacances. Mais là on est encore en congé, il reste quelques jours. Donc... j'espère que cette vidéo vous aura plu. On reprend du coup le quotidien. Et bien dans le Loir-et-Cher. Salut à tous!